Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on continue la série de Calling Challenge et on est en compagnie de Boustache. Comment vas-tu Boustache? Bah ça va très bien et toi comment tu vas? Bah ça va parfaitement bien et pour savoir pourquoi je vais parfaitement bien, je vous invite à aller voir l'épisode précédent de Calling Challenge. Oh, c'est pas nécessaire hein, je pense, hein, je pense que... C'est pas obligatoire, hein. C'est facultatif tout oui, ça. Oui, voilà, donc évidemment, vous le savez maintenant, c'est un format qu'on va adopter chaque dimanche, hein, un format hebdomadaire, chaque dimanche à 18h, vous retrouverez sur nos chaînes respectives un épisode aller sur la chaîne de Boustache, un épisode retour sur ma chaîne Ludo Calming Challenge, et donc, comme je l'ai dit, si je suis heureux aujourd'hui, c'est parce que vous pouvez aller voir pourquoi, en fait, via le premier épisode qui se trouvera évidemment dans la description, comme d'habitude. Je rappelle donc le concept du Dokkaning Challenge. Boustache va nous tirer, grâce à sa grande intelligence, 3 liens au hasard parmi les liens du jeu. Et parmi ces 3 liens, du coup, il va falloir composer une team, qui est 2 personnages par lien, évidemment, pour avoir un total de 6 personnages. Parce que si vous ne le savez pas, dans Dokkan Battle, il y a 6 personnages dans une équipe. Et donc, derrière, si jamais il y a un lien qui ne nous convient pas, on a l'occasion d'en retirer. Et donc ensuite on va aller sur la finale du combat d'Okan effréné. On a réussi à redonner un intérêt à ce mode de jeu, c'est assez incroyable. Le mode Boustache. De jeu claqué. Félicitez Boustache. Ah, tu peux m'applaudir, applaudis-moi, j'aime quand tu m'applaudis. Voilà, parce que bon, on peut quand même souligner qu'il a réussi à exploiter le potentiel d'un événement mort. Franchement, c'est assez exceptionnel. En fait, le truc qui est bien sur cet event, c'est que les leaders amis sont claqués. Voilà, donc, ils sont vraiment très très nuls. Il n'y a pas de leader amis 100%, c'est, voilà. T'as que les gouttes tiers. Voilà. Et Vegeta et Goku et CJK. Ils n'ont pas d'arbre, c'est très important de noter qu'ils n'ont pas d'arbre. Donc, bah, en fait, on a affaire à des leaders amis tellement nuls que du coup, forcément, on doit réfléchir. C'est assez conceptuel en Dokkan Battle, mais voilà, en tout cas, il faut réfléchir. C'est un concept. C'est un concept, pourquoi pas. Et donc, bah écoute, Boustache, si je suis chaud. Let's go. Voilà, on va tirer les liens. Hop là. Ouh. Oula. Ouh. Ouh. Waouh. Waouh. C'est quoi ces liens, Boustache? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ouais. Ma prière a été entendue aujourd'hui. Ah ouais, moi ça commençait, moi, ça commençait bien. Entendue. Moi ça commençait bien et après c'est parti en coup. Alors, regardez, je vais mal. Attendez, à nouveau. Attends, c'est quoi ce lien? À nouveau, Tenkaichi Budokai. Ah, il est là. Attaque plus 300, y'a quoi dedans? Ah ouais, oh seigneur. T'as un bon lien, wesh, arrête. Et télékinésie, c'est pas un lien des Shaozu, ça, par hasard? C'est Chaozu et je crois qu'il y en a un autre là, mais je sais oh plus. Seigneur! Oh non, non, non! Non, je sais. Tu vas me retirer un nouveau Tenkaichi Budokai, Boustache. Sûr? Ouais, j'en suis sûr et certain. Ok, let's go. Un nouveau Tenkaichi Budokai. Oui! Jugement serein. Allez! On est de retour dans la course. Voilà. Voilà. Faut que je m'en rappelle. Attends. Dis-moi pas que c'est le lien que je pense. C'est 20% de défense et donc on a donc, la moitié des activités récentes du jeu qui sont. Est-ce que t'as Trunks et Mayeler? Oui. Est-ce que t'as Trunks et l'RN? Non. Putain, ah ouais, non, il est bien le lien. Moi, ah je ouais. Sais, je vais aller sur le combat ah, il est de Calais. Vachement traîner. Bien le lien. Bon. Bon, moi aussi, moi je sais aussi où je vais aller, t'inquiète pas. Hein, ouais, ça j'espère hein, quand même. Sans trop de problèmes, on va aller composer donc, notre petite. On a peur team. Et désespoir, jugement serein et télékinésie. Bon, en vrai, je me suis mis bien. Je peux faire la team que je veux en fait. Ton a du pouvoir, vitesse et pousse-souffle en combat acharné, je peux faire. Ouais, tu fais n'importe quoi en fait. Ça y est, toi t'es dans les anges. Hein, c'est open bar. Open bar. Ah, mais faut pas oublier. Que le leader ami, il est éclatax. Oui. Faut faire attention à ça. Ah oui, bien sûr. Faut faire attention. Faut faire très très attention à ça. Faut faire attention. Donc, vas-y. Bah écoutez. Est-ce que tu peux sélectionner plusieurs liens en même temps ou pas dans le filtre? J'ai jamais essayé. non. C'est un par un. Ah, dommage. C'est un par un. Dommage. Donc. Que voilà-je. Que voilà-je, mais que voilà-je, qui voilà-je, qui voilà-je. Bon. Des spé courtes, est-ce que ça existe? Faut que je porte. Déjà, il faut que j'analyse le lien peur et désespoir. Qu'est-ce qu'on a dans ce lien-là? Peur. Peur et désespoir. Ouais, on a des choses intéressantes. On a tellement de choses, en fait, que ça en devient limite abusé.
J'ai une idée. J'ai une idée, c'est risqué, mais dans la vie, il y a les hommes et les omelettes. Il y a les hommes et les omelettes. Faut bien tenter des choses. Tu fais partie de quelle catégorie, Kawhi ? Des hommes ou des omelettes ? J'allais dire, je te laisse deviner, mais je sais ce que tu vas répondre en conséquence. Donc on va éviter, on va pas se faire avoir. Tu me laisses le choix, tu sais que c'est je sais très bien où c'est une erreur déjà. Où ça va aller. C'est une erreur de me laisser le choix déjà de base. En vrai, j'ai quand même envie de faire quelque chose d'encore plus chaud. Peut-être de faire ça. De mettre ça directement. Et puis derrière, derrière ça va être compliqué. Au niveau du leader ami. Jugement serein. En fait, qui ramener en deuxième unité jugement serein? Le souci se pose au niveau de la fluidité de la team. Et oui. C'est quoi le dernier lien en combat, Charlie? Je pourrais ramener Mai. Bon. Je peux ramener tous les leaders du jeu, en fait. Je peux ramener Mai, mais ça devient compliqué. Ramener Mai. Bon, en vrai, tu sais, je suis sûr qu'il y a une meilleure team que celle que je vais faire. Mais en même temps, il y a tellement de choix, les gars, que... j'en suis sûr, dans votre tête, vous êtes parti sur une team complètement différente. Ouais, non, en fait, on va plutôt. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est faire ça quand même. Après, le Black, il va se faire un peu niquer dans la vie, mais c'est pas grave. On est ambitieux. Enfin, je ramène quand même Black dans un concours de vitesse, quoi. Enfin, c'est pas la meilleure idée du siècle, parce que je rappelle que Black Intelligence démarre à 9 de défense et 2 de valeur d'attaque. Un petit peu compliqué, quoi. Comment ça s'appelle? Ah mais j'ai quand même une hésitation quand même. Attends, pourquoi je pars avec lui moi? Une petite hésitation. Et de l'autre côté, ça valide mon lien peur et désespoir. C'est ça qui est bien. Non, j'ai une autre idée. Ah, j'ai peut-être une idée géniale en fait. J'ai une autre idée en fait. J'ai une idée qui peut être très très sympa. Faut que je réfléchisse en fonction de... Ouais, je sais comment je vais faire. Faut que je réfléchisse en fonction... De l'adversaire. Oh, non. Quoi? Non. Tu sais de quoi je parle en parlant d'adversaire au moins? Ah oui, c'est bon. Je parle du boss, je parle pas de toi. Parce que toi, de toute façon, avec ton team building un petit peu éclaté, voilà quoi, on va aller traîner dans la vie. Il a beau avoir tous les liens du jeu. Je laisse la victoire parler. D'accord, mais bon. Je vais laisser la victoire parler. Alors pour le moment, ça va. Moi, je me porte pas mal du coup. N'est-ce pas? Bah oui, du coup, ce que je vais faire, c'est ce que je voulais. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait cette connerie. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi je veux en venir. Où je veux en venir. Pourquoi je veux en venir? Bravo. Pourquoi je veux en venir? Je tiens à te féliciter quand même pour. Voilà. D'accord. Donc on est d'accord, Boustache, que les règles concernant les doubles liens ne sont plus d'application dans la V2 du Mechanic Challenge. Non, tu sais très bien en plus. Parce que je suis dans une situation. Je suis dans une situation où en fait il y a trois personnages qui ont deux de mes liens, donc ça devient compliqué dans la vie. Oui, mais non. Ah non, je te demande, moi je ne fais que demander. Oui, d'accord. Non. Ok, mais y a pas de problème, Boustache. Ah oui, on est sur quelque chose. Ah non, oui. Oui. On est sur quelque chose de très bon en fait si on fait ça. Ouais, en fait, on va plutôt les réinverser encore une fois en fait, c'est bon. C'est bon, je vois où on veut en venir. Attends, les deux ils ont déjà vitesse époustouflante en fait. Où est le. Mais à chaque fois je me perds moi. Ouais, je sais comment on va se débrouiller. Je vois clairement où on va aller. Toc. Ouais, bon, il y a tellement de teams en vrai à faire que... Ah, je vais rester sur ça. Elle est où? Ah non, j'ai mis super, c'est ma faute. Il est où? Ah voilà. Et donc derrière, théoriquement, on est d'accord, jugement. Jugement. Pourquoi il a pas de tournoi du pouvoir cet enfoiré? Paré au combat. Non, c'est pas paré au combat. Qu'est-ce que je raconte? Peur et désespoir, voilà. Commence pas à changer tes liens. Peur et désespoir. Je commence à entendre des dingueries là. Bon. Ça va, Mathieu m'avait pas trop fort moi. C'est un peu naze hein, parce que je.
Ah non, ouais. Mais je suis un vrai schlag, en plus, je me suis trompé. Et là, vous allez comprendre la stratégie de gros truand, pourquoi j'ai gardé le lien de télékinésie. Pourquoi j'ai ça, moi? Bon, du coup, ce que je propose, c'est que je présente ma team pendant que tu finis la tienne. Pourquoi pas? Alors, pour le... Bon, en fait, il y a plein de liens que vous pouvez prendre sur plusieurs personnes, mais bon, le lien combat acharné, j'ai pris Goku SSJ 4 LR, donc leader... leader catégorie famille Son Goku, et 120% pour l'équipe AJ. Donc j'ai pris Gohan LR, donc le nouveau Gohan LR. Pour ce qui est de vitesse époustouflante, j'ai pris le Goku SSJ God 100% et le Gohan Ultimate 100% AJ ZTUR. Du coup, je suis bien content de l'avoir monté et de pas avoir fait le feignant. Et pour le lien tendance du pouvoir, j'ai pris Caulifla AJ et Vegeta. Vegeta Blue Diamond qui n'a pas de doublon. Donc ami leader Vegeta. Donc tout le monde profite des 120% de ce côté-là. Et ici on a Goku, les deux Gohan et le Goku SSJ God qui profite du leader Famitsu Sangoku à 170%. Ok. Alors pour ma part, j'ai pris en leader Goku Black, le leader voyageur du temps à 150%. Qui possède le lien jugement serein. Deuxième personnage qui possède le lien jugement serein, c'est Trunks et Mayeler, que je ne présenterai pas pour des raisons évidentes. Pur et désespoir, on a Rosé puis 100%. Janemba intelligence, pas 100%. Je crois qu'il a deux doublons, mais il va du coup profiter du sub lead de Goku Black. Pour le lien télékinésie, je ramène Chaozu Int qui va stun. Donc ça va être très très intéressant au niveau rapidité. Et puis à côté de ça, on a le Guldo Tech. Et qui est là un peu en décoration, mais c'est pas la pire unité du jeu, donc ça peut être sympa pour des buffs, tenter un stun sauvage, pourquoi pas, ça peut être utile. C'est mieux okay. Que rien. Ça marche. Bah écoute, je t'attends, premier repas. J'arrive, boss, tâche. Qu'est-ce qu'on a comme première rotation? Exactement ce que je voulais, je suis heureux. Alors j'ai 412 000 HP, t'en as combien? 230 000? J'en ai 234. Bon. C'est déjà plus compliqué, hein. C'est déjà plus compliqué. 1, 2, okay. Attends. 3, 2, 1, let's go. C'est parti. J'adore les bruits de ta souris. Tu dis c'est parti. Tac, 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 fois sur le truc. C'est complexe, mais il y a quelque quel chose. Quel spé va le plus vite? Ma spé va plus vite que la tienne. Ouais, non, Rosé, il met 45 ans à partir en spé. Hein. Derrière Trunks et Mai, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, mais une auto-attaque. C'était sûr. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Et du coup, le stun du Chaozu. Bon, là, normalement, c'est du renvoi. Moi, pas forcément. Moi, ah ouais, t'as Janemba. Ah oui, quoique, peur et désespoir, que... c'est pas le lien qui transperce Gogeta puis par hasard? Ah non? Ah, je croyais. Il me semblait que c'est le lien qui transperçait Gogeta puis. Bon, pourquoi pas. Bon, ça va. Je suis pas à plaindre. Hein. Ok, on va aller taper Black Goku. Tu penses que ça va plus vite sur Black? J'ai l'avantage saga du futur. Ah, le gamin! Eh oui, joué. Mon ami. Bien joué, bien joué. J'ai l'avantage. Ah ouais, mais Goku, il va mettre 4 ans à faire sa spé, cousin. Qui voilà, j'ai la spé de Goku SSJ4. Et moi, derrière, je tape la petite esquive. En vrai, je suis pas sûr de one-shot. Hein. Non! Sérieux, il reste un HP. Les sorts de là. Bon, et Rosé qui va mettre 45 ans à faire une spé. Bon, ça va, on est... Ah, mais en fait, putain, c'est sérieux, là. Oui. Mais sauf que moi, j'ai 50 phases, en fait. Par contre là, ouais, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. On va quand même partir en spé pour la beauté et l'amour, mais ça va être ton max ici. Ce serait bien qu'il crit. Alors, en fait, s'il crit, ça peut être... Non, crit pas s'il te plaît, Janemba. Et si Janemba, il crit. Oh non. Ah là 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 là, le crit à Janemba. En vrai, Rosé, à mon avis, il le tue pas. Hein. Si, je crois qu'il le tue, gros. S'il le tue, je suis dans une. Mais je suis tellement bien. Ah, Guldo. Non, Guldo, il le tuera pas, c'est pas possible. Guldo, il le tue pas, ouais, non. Guldo, il le tue pas. Ça va, t'es encore. T'es encore dang. Sauvé. T'es sauvé par l'amour et la passion, visiblement. Je mets 3 ans à faire mon attaque spé, frérot.
été sauvé par l'amour et la passion de vivre. Mais sors-moi Black d'ici. Hop, voilà. Ok, dommage, on aurait pu gagner un petit peu de temps. C'est pas dramatique pour autant. T'aimes bien les dramas. Ouais, c'est un petit peu ma passion dans la vie, quoi. Enfin, j'aime bien. Je suis obligé de partir en spé, ça me casse les couilles, mais dans la vie, il y a les hommes et les omelettes. Un grand homme. Un grand homme. Il nous a quitté vraiment bien trop tôt. Je suis d'accord avec toi. Et en vrai, double crit. Oh, c'est dommage que Black n'ait pas de crit. C'est très dommage que Black n'ait pas de crit. C'est parce que je pense qu'il aurait pu le faire le kill, mais bon. C'est comme ça. Pas besoin de partir en spé ultime. On va partir en spé normal, normalement ça ira. Oh, aïe, tu perds du temps là, je perds du temps. Ah bah oui, bah j'ai une rotation, j'ai eu une mauvaise rotation, j'ai eu des rotas, en fait j'ai une rota full int. Ça m'a vraiment niqué, je voulais pas. Je voulais un petit peu les séparer, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. En vrai, je suis même pas sûr que l'aspect ultime de Goku et CJ4 prennent moins de temps que ça, l'aspect normal. Je sais pas, hein, c'est des specs qui durent toutes les deux assez longtemps. C'est toutes les deux des specs qui durent relativement. Bon, ah ouais, là j'ai pas de crit par contre. Mais normalement, ça. Moi je pense que ça passe normalement. Ok, moi par contre sur le Trunks, c'était après. Là je vais perdre du temps. Je suis pas si mal. Oh ouais. Ah ouais, non, il y avait. Ah, double SP. En vrai, j'aurais dû. Parce qu'il y a le Gohan qui a du crit vu qu'il a 100%, mais bon. Ah, ouais, ça va. Ah, il a SP. Bon, l'SP, on s'en fout, c'est juste que ça devait perdre du temps en fait. Ok, yes. Oh! Oh le bâtard! J'avoue que là, il m'a mis un petit peu bien. Non, pourquoi? Pourquoi? Qui voit l'âge? Ah oui, en plus, je transperce, j'avais oublié. Je transperce avec futur désespéré. J'avais zappé ce détail important. Non. Allez, explose. Et voilà. Je me suis mis bien, là. Putain, vas-y, vite, Goku. Vite, là, arrête de prendre 36 ans, cousin. T'as pas les belles. What the? Yare, Kouai. Yare, Dazé, tue-le. Critical. Niet. Esquive, fait quelque chose, je sais pas. Non, il a pas activé son Dokkan mode. Oh oui. Non. Oh oui, c'est le feu, les amis. Allez, hey. Yes. Non. Hey, j'ai l'avantage, Julien. Avec l'avantage type, avec le stun. Mais en plus, il casse les couilles, lui, avec ses attaques supplémentaires, cousin. Ils servent à rien, tes attaques. Ah non, vas-y, tue-le. Non, si, non. Over the rainbow. Over the rainbow, lies the rainbow. Mais non, over the rainbow, lies the rainbow. Ferme-la, putain. Aïe. Vite. Non, mais je vais perdre du temps avec le Dokkan mode. Explose-le. Voilà. Non mais vas-y. Ouah. Est-ce que l'activité c'est compté comme une attaque SP? Oui. Vas-y Goku. Est-ce que c'est compté comme une attaque SP? Ça va le one-shot. C'est un Dokkan mode. Allez, Janemba. Oui. Oh, il me sauve la vie. Goku qui me sauve la vie. Oh là là, le plus serré que j'ai fait de ma vie. Oh, le plus serré. Vite. Wow, même temps. On a fini en même temps. Non, j'ai fini plus tôt, je pense que j'ai fini plus tôt. Attends, mais parce que moi j'ai démarré après le compteur. Ouais, t'as démarré après moi, t'as démarré parce que j'ai commencé avant. Bah oui, forcément. En tout cas, j'ai tout. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai. Oh ouais, c'est là, il faudrait limite voir au montage en fait. Ouais, je pense qu'on verra au montage. Faudrait cut au montage, voir vraiment qui a mis le moins de temps. Tu verras, mais je pense j'ai une avance d'une demi-seconde, je pense. Ouais, tu penses que t'as une légère, vraiment d'une micro-seconde. Je pense, on peut dire que j'ai gagné plus ou moins, je crois. C'était en tout cas, de toute manière, très serré. Chaud. Hein. Très serré. Franchement, très serré. Extrêmement chaud. Ça m'a fait bien plaisir, en tout cas, c'était grave cool. C'était grave. Toujours un plaisir de gagner, toujours. Ouais. Je suis extrêmement chaud. Ah là, putain, celui-là il était chaud. Janemba il m'a mis bien. En fait, c'est simple. J'ai eu Black Hint avec Trunks et Mai, Rosé avec Janemba. Là, c'était parti. Malheureusement, faut savoir que moi j'ai pas crit une seule fois. Enfin, non, ça va, je vais dédoubler. Bon, ça va, t'as pas une team où tu devrais te plaindre. Donc, bah écoute, voilà, ça fait 1-1.
Ça fait effectivement. Un 1. Effectivement. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. En tout cas, il y a eu du. Faudrait voir, mais en tout cas, clairement, c'était très. Il lâche pas l'affaire. Non, en tout cas, ce fut extrêmement serré. Hein. Je pense que franchement, dans l'histoire de Calling Challenge, tu me diras si je me trompe, mais je pense que c'était le plus serré de l'histoire. Là, vraiment, ça s'est joué à genre. Voilà, précisément ceci. Un poil de cul. Ouais. Voilà. Bah voilà, du coup, épisode très très mouvementé aujourd'hui. Hein. Comme quoi, hein, même si on n'a pas la team excellente, hein, on n'a pas une team incroyable, il suffit quand même de prendre en compte les boss en face. Et à ce moment-là, on peut quand même se dégager quelque chose de pas si mal que ça. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire, et quand vous y croyez, bah finalement, ça devient pas mal, ça devient compétitif. Et c'est ça qu'on aime ici, c'est la compétition, bien sûr. Et donc, pour cette semaine, ça s'arrête là. On se retrouve d'une manière chaque dimanche à 18h avec Boustache, hein, pour ces épisodes de Dokkaning Challenge, tous plus mouvementés les uns que les autres, bien sûr. Une dédicace à Babi LR qui apparemment est nul, hein, évidemment. Et pour ma part, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, et nous on se retrouve de toute façon pour d'autres lives et vidéos, tout ce que vous voulez, hein, comme d'habitude, hein, la vidéo quotidienne. Sur ce, à plus. Ciao.